Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Fais pas le pi. Hello. Hello. Alors, on se retrouve là aujourd'hui. Bon, c'est pas vraiment un vlog. On devait vlogger ce week-end, mais il fait pourri tout ça, donc on va rien faire. Par contre, là à midi, là on s'en va là maintenant, c'est 11h. On va à Montpellier et on va tester un restaurant. C'est un restaurant pirate, ça s'appelle Pirate Paradise, je crois. Et vous avez été nombreux à me dire que c'était sympa tout ça, que ça ressemble à Disneyland Paris, les Pirates des Caraïbes et tout ça. Et on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et là, on s'est dit, bon, mais Victoria a 4 ans. Elle est peut-être grande maintenant et elle peut apprécier ce genre de restaurant. Donc, on y va. Donc, je vais vous faire un food tour. Je vais vous montrer ce resto, en fait. Voilà, donc la vidéo sera peut-être un peu courte. Mais voilà, ça sert à rien de faire un vlog à la maison, juste pour faire un vlog. Donc, je voulais vous montrer ça. Allez, c'est parti. On y va. Quel bordel. Allez, vite. On arrive là à Montpellier. Et il y avait un monde de malades sur l'autoroute, les gens ils conduisaient comme des merdes, faut le dire. Et là il y a du vent, j'espère que Gilbert Lamoumoute va faire son boulot. Non mais c'est bon, c'est c'est 35, allez. On a rendez-vous à la demi et c'est juste en face, donc c'est bon, mais c'est fou, je ne supporte pas être en retard, ça m'a fait une boule au ventre et tout là. Mais là c'est bon, on y est. On y va, on va manger avec les pirates. Alors pour ceux qui sont de Montpellier ou qui connaissent, qui viennent. Alors nous on n'est pas de Montpellier, hein. On habite à 1 heure de Montpellier, mais voilà. Donc c'est ici, ça c'est l'aquarium. C'est l'aquarium Planète Océan. À gauche, enfin à droite là-bas, il y a Odysseum. Et c'est dans cette zone là, c'est juste là en face. C'est juste là. Le truc des pirates là, on le voit de là. Voilà, c'est ça là. On réparait que c'est si bien, qu'il y a un spectacle, tout ça, il y a une animation, que la thématisation est dingue, donc on va voir ça, mais déjà c'est vrai que l'extérieur, tout ça, c'est très joli, et moi ça m'a toujours donné envie, mais on attendait que Victoria soit un peu plus grande. On l'a déguisée en pirate et tout, donc on va voir. Donc voilà l'extérieur, et là il y a la carte. Mais je vais vous la filmer de l'intérieur. Il faut monter, tu crois? Déjà, il y a des bruits, il y a des musiques. On est installé, c'est super cool, c'est super grand, je voyais ça plus petit. La serveuse là qui est venue nous installer, qui nous expliquait, nous a dit qu'il y avait une aire de jeu là-bas pour les enfants, on va y aller. Le spectacle il est à 13h15, 13h30, il est juste en face de nous, donc elle nous a dit vous êtes hyper bien placé. Et elle a vu ma veste là. Elle a dit ah, c'est Walt Disney World, vous êtes allé? J'ai dit oui. Elle me dit ah, mais j'ai travaillé pendant 6 mois. J'ai dit mais non, si, elle a travaillé pendant 6 mois à Animal Kingdom, c'est incroyable. Voilà, franchement ça a l'air génial. Ah, tu regardes la carte? Tu veux commencer par... Alors pour Victoria, le menu... Ouais, le menu... Il y a un gros palmier, oui, ben regarde, il y en a un juste à côté de toi. Le menu pour les enfants c'est 14,90€ et vous avez nuggets de poulet, steak haché ou cassolette de moule ou des fish and chips. Après pour les juniors, donc jusqu'à 16 ans, de 11 à 16 ans c'est 17,90€. Et après les menus adultes, entrée plat c'est 25,90€ et entrée plat dessert c'est 28,90€. Franchement très très correct. Voilà, on va faire un petit tour là, je vais vous montrer. Là on va à l'aire de jeu avec Victoria, mais regardez. C'est canon là. Viens là Victoria. Là il y a une boutique. Là c'est la prison, c'est génial. Là il y a la boutique
et l'aire de jeu elle est là-bas. Viens Victoria. La passe, viens là. Bonjour. Merci beaucoup. Là, vous avez l'aire de jeu. Je vais pas la filmer parce qu'il y a des enfants. Mais bon voilà, c'est une aire de jeu. C'est vraiment hyper bien décoré. Et là-bas, je voulais pas montrer. Donc nous on est là. Victoria est déguisée en pirate. Le spectacle se passera ici apparemment, donc on est hyper bien placé. Et là-bas, il y a un bateau. Et les gens peuvent manger sur le bateau, mais même à l'intérieur du bateau. Et c'est super beau. Là, il y a la forteresse des pirates. C'est vraiment incroyable. Et là, il y a... Alors, je viens de voir... Mais oui, chill, mais j'ai pas pris l'apéro. Donc voilà, c'est Pirates Paradise. Et regardez, il y a marqué Montpellier et Lille. Donc pour nos amis du Nord, qui habitent à Lille ou pas trop loin, il y en a un apparemment. Renseignez-vous parce qu'il doit y avoir le même système aussi à Lille. Et c'est ce qu'on vient de dire là avec Amé. On trouve que la thématisation, elle est vraiment très très bien faite. Les tables, les chaises, le moindre détail, il y a des palmiers, la musique, les rochers, le crâne derrière que je vous ai filmé, le bateau. Enfin, on met ça à Disneyland Paris, mais ça passe. C'est vraiment super bien fait. C'est pas du tout cheap, quoi. Et c'est pas plus bruyant que ça. Ouais, Amé a raison. J'avais peur que ça soit beaucoup plus bruyant. Bon, j'attends de voir le spectacle, mais on est servi. On est très bien. Ah super, tu peux laisser dessus? Ah mais autrement tu l'abîmeras pas? D'accord. T'es mieux là-bas? Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que tu veux ketchup, mayonnaise ou sayon? Tu veux du ketchup? Ouais. Ouais, je te rapporte la yapa. Merci. Alors, je tourne avec Amé, donc on a pris le menu à 28 euros. En entrée, on a pris des nems, nous. C'est pas très exotique, merci mais. Merci beaucoup. Et Victoria, bon, elle a pris une nuggets frites, hein. C'est pas très original, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, on va commencer par les nems. Donc les nems. C'est flou. Les nems sont vraiment très bons. Alors, c'est peut-être du surgelé, hein, mais c'est bon. J'aurais juste préféré que la sauce soit la sauce des nems. Alors, c'est une sauce à gros douce, mais. Et on voit comment. On voit ce qu'on mange. Oui, on y voit. C'est pas comme au Blue Lagoon par exemple à Disneyland Paris où c'est hyper sombre. C'est quand même tamisé mais. Non, c'est trop cool, je suis trop content d'être là en fait. Je suis vraiment très content d'être là. Ça y est, donc là, je sais pas si vous en rendez compte mais la lumière est bleue. Le spectacle va commencer et en fait c'est le signal. Pour dire aux enfants, parce qu'en fait les enfants peuvent participer au spectacle et c'est le signal pour que les enfants puissent aller à l'accueil. Et donc Amélie a mené Victoria parce qu'elle voulait bien, hein, on la force pas, hein. Et du coup elle va participer au spectacle avec les pirates, en plus elle est déguisée en pirate et tout, ça va être rigolo. Je vais le filmer le spectacle évidemment, mais vraiment étonné et surpris de. Et les nems étaient super bons. Ben, franchement, pour l'instant, c'est un 10 sur 10. On t'a pas vu, alors t'en penses quoi, toi? Moi, j'aime bien. Ah, c'est bon? Hein? Oui, j'aime beaucoup la thématisation. C'est digne de DLP et les services qu'on a, elles sont très Walt Disney World. Non, bienvenue, nanana. Ah, génial. Ouais, vraiment, super surprise. Rien à dire, pour l'instant rien à dire et l'entrée était super bonne. Hein. Ça. Vraiment super cool. Voilà, super. Une belle découverte. Pendant que Victoria va faire son spectacle. Je vois PLS parce qu'elle est loin quand même. Donc nous on a été servi, moi j'ai pris ça, donc alors c'est hyper chaud, je me suis brûlé. Voilà, c'est un sauté de poulet au curry. Et Amé elle a pris. Le sèche à la rouille. Voilà, des sèches à la rouille. Allez, on va déguster ça pendant le spectacle. Il est magnifique et il fait des envieux. Souvent, il nous faut repousser des tas de vilains qui veulent se l'accaparer. Mais pour le moment, pas de danger. Il n'y a qu'à profiter du lieu, bien manger et faire la fête.
l'hospitalité. Sois le bienvenu. Mais pour être accepté parmi nous, tu dois d'abord t'incliner devant notre épée et promettre que tu n'as que de bonnes intentions. Le spectacle était très sympa. Il y a un point noir, c'est quand même que tous les gens se sont levés, se sont foutus autour de notre table et tout là. C'est dommage que les gens ne restent pas assis à leur table parce que le spectacle est tout autour de la salle, donc tu vois toujours un peu. Et on a mangé là, on est en train. Le poulet, moi, il est hyper fondant. J'ai pris un poulet curry lait de coco. C'est très très bon. J'adore. T'as pas le goût. T'aimes le poulet, t'aimes le curry. J'ai pris des sachets à roux, il y a tout. Moi, que le seul bémol du spectacle, après, c'est pas. Ah, ouf, hein. C'est que c'est pas les. C'est une voix off. C'est des voix off en fait, et c'est des voix préenregistrées, c'est pas en live. Mais comme je disais, on paye 25 euros le menu, on paye pas 50 balles, donc c'est pas des comédiens. Donc je pense que ça s'explique comme ça. Mais c'est très bien, ça fait une animation. Franchement, c'est très très sympa. C'est pas ouf. Hein, c'est pas un spectacle. On vient pas pour le spectacle non plus, on vient pour un tout. Mais l'immersion et tout, c'est très très bien. Franchement, moi j'adore. Bon, la petite est allée jouer. Moi, ça y est, je me sens mieux dans l'ambiance. Attends. Ah, il est enfant, c'est un enfer. Aïe. Voilà, j'ai acheté ça la petite. Tu lui as acheté le petit drapeau. Parce qu'elle n'a pas pu participer. Oui, elle n'a pas pu participer, il y avait trop d'enfants. Donc elle est revenue, elle pleurait un petit peu. Et elle dit, oh, mais moi je peux jamais rien faire. On t'a amené faire une cruise, ça, tu vas aller trois fois à Walt Disney World, tu vas à Disneyland Paris tous les ans. Tu fais jamais, tu te rends pas compte ma petite. Non, c'est pas mal. Et donc, mais papa est quand même allé lui acheter, voilà, un drapeau. Parce que les enfants avaient tous un drapeau. Il est faible. Oui, pour ça, c'est un enfer. Non, j'aime ma fille. Non, non. Des fois tu la gâtes un peu. Ça va, j'ai acheté un drapeau. Oui, bon, j'ai pas acheté la panoplie. Pas inconsciemment, c'était implicite. Oui, allez, bon, pour le dessert, Amélie a pris un sundae chocolat. Moi j'ai pris une crème brûlée. Voilà. Et j'ai une petite dédicace à faire. Vous voyez, elle a marqué, vas-y, de moi. Elle a marqué Pirate Paradise. Salut Nadia.
Nadia Paradise. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. C'est pas que ça va se transformer en discothèque. C'est la discothèque à 14h20. On a vraiment vieilli quoi. C'est la boum. Bon, on va sortir là, c'était vraiment cool. Non, franchement c'est une super expérience, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai adoré, les tarifs, c'est des tarifs d'un resto classique quoi, 25€ le menu. On a bien mangé, voilà. Éclatée, le seul truc qui était pénible, c'est quand il y avait le show, c'est que tout le monde se lève et les gens ne restent pas à leur place. Mais après non, vraiment non, super, super bon truc. Et donc il est à Montpellier, à Odysseum, mais vous en avez un apparemment à Lille aussi. Donc voilà. Et la petite a adoré, pour les enfants c'est génial. Ah oui. C'est vraiment génial. Quand t'es contre adulte, bon, je suis pas convaincu, mais avec des enfants, c'est vraiment vraiment chouette. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour pas louper les sorties de vidéos le samedi. À demain. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye. Bye.